bien bonjour à tous les amis, c'est mon Jumper, j'espère que vous allez bien. Genre écoutez, moi ça me tient nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, comme vous le savez, on se retrouve pour l'épisode final de Minecraft Dungeons. Il est l'heure, il est grand temps d'affronter l'archi-la-joie. Et merci à tous et à toutes de m'avoir suivi depuis le début de cette aventure complètement épique qui n'aurait pas été sans votre compagnie. Donc du coup les gens, on est parti. Et merci pour tout votre soutien en commentaire, pour les astuces, tous les likes et les abonnements. Ça fait plaisir, franchement, merci beaucoup. Et du coup, comme vous le savez, je suis maintenant en fait le faucheur accompagné de son marteau de Thor. Et c'est ainsi que nous allons aller affronter l'archi-la-joie au sommet d'obsidienne. Oh là là, c'est ouf de se dire qu'on est déjà là. Alors, il faut savoir qu'apparemment, il y a pas mal de niveaux secrets. Vous étiez tellement nombreuses à me le dire dans les commentaires. Et je pense qu'on les fera quand même. Donc, je pense pas que ce sera l'épisode final de Minecraft Dungeon, mais en tout cas, ce sera le combat. Le dernier, le véritable combat, la bataille qu'on attend tous. Je vous invite d'ailleurs à regarder tous les anciens épisodes pour ne rien rater au niveau de l'histoire. Donc, on va faire ça en plus dans la dernière difficulté disponible. Puissance recommandée 27, on a 22 alors que celle-ci était conforme. Mais j'ai envie de faire ça en beauté. Les amis, direction le sommet d'obsidienne. J'avais pas vu, mais les ravageurs ont des ailes. Très bien. L'archi-la-joie s'est enfui vers les remparts du château de Haut-Bloc. Mais il n'a pas pu aller bien loin. Faites vite et atteignez la tour la plus haute. Cette nuit sera la dernière de l'archi-la-joie et de son règne. Alors honnêtement, par rapport à l'histoire, je tiens à dire quand même que je plains quand même ce pauvre archi-la-joie. Parce que si vous avez suivi l'histoire, enfin c'est quand même un mec qui s'est fait rejeter du village. Et bah du coup il est tombé sur... sur un cube de puissance, c'est normal qu'il veut se venger, mais bon, voilà. Après, enfin voilà quoi, c'est vrai que... Et le pauvre bête, il a rien demandé, tu vois. Mais bon, j'avoue que... faire un massacre derrière, c'est un peu abusé quand même. Ok, donc on est tout en haut de la forteresse. On avait pénétré la fois dernière, si vous vous souvenez bien. Ok, qu'est-ce qu'il... What? D'où ils sortent, le... Michael Jackson? Ok. Ouf, il y a du lourd là. Oula! Je ne l'attendais pas ça, wow. Eh, prévenez la prochaine fois là. Waouh. On est sur les remparts quoi. L'œil de la tempête. Ok, juste pour lui parce qu'il était boosté. Voilà, comme ça dégage. Oh, ils m'ont fait très mal. Alors ils sont à un niveau beaucoup plus supérieur au mien. 5 niveaux au-dessus il me semble. Alors, je rappelle qu'on a 3 vies il me semble. Si je me trompe pas. On va éviter qu'il soit trop boosté. Voilà. Voilà. Allez, balance-moi les 5 flèches. Tu me ferais plaisir. Oh, mais non, il m'a eu en même temps que je jumpais, quoi. Mais c'est quoi ça? Comment je pouvais me faire avoir comme ça? Bon, bah, il est de l'autre côté, non? Ok. Très bien. Bah. Allez. Allez, on peut le faire. On va tout fouiller. Quelle idée de faire ça? En puissance maximale. Ok, il est coincé derrière les tonneaux, lui. Ah, Billy, un petit coup de main, ouais, merci. Hop, je te débloque. Tiens. Oh, bah merci pour la bouffe. Les bugs qu'il y a parfois, c'est génial. On n'a rien ici. Oula. Bonjour et bienvenue dans la forteresse. Aïe, quoi, j'ai pris des dégâts. C'est émeraude. Alors, je vais jusqu'au bout des cul-de-sac, on sait jamais. Oh, il y a des maisons ici. Rempli de lave, on dirait. Et ça dégage. Le moissonneur est pratiquement chargé à fond. Hein. Ça s'utilise en deux fois quand c'est blindé comme ça. Ok, plus de bouclier déjà. Ça, ça calme. Voilà. Et voilà. Oh bah salut. Salut. Allez, Billy là. Oh, Billy qui est coincé. Ah, j'ai utilisé deux fois, bien joué. Oh là 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 là, il tank vachement bien. On a plus affaire au même genre de garde avec les points de vie hein, comme la fois dernière. Pas du tout. Hein. Alors le bouclier qui bloque impérativement l'attaque. N'importe quelle puissance est bloquée. Hein. Il est derrière lui aussi là. Oh, allez, salut. Wouh. Ah.
J'imagine qu'il y en a un autre. Ouais. Encore un autre. Non. Ok, j'attends que ma vie, ma potion se récupère. Et enfin, soit récupérée. Je veux pas aller de l'autre côté. Wouah, c'est quoi? Oh là là, heureusement que j'avais le moissonneur. Le moissonneur qui sauve, quoi. Ah, bien joué, alors ça, alors, magnifique, hein, on en voit tous les jours. Je vais me mettre en hauteur parce qu'apparemment, je sais viser comme une planche. Voilà. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Poissonneur. Bon, il était petit celui-là, mais bon, quand même. Non, me fais pas reculer, s'il te plaît. Me fais pas reculer, merci. Mais attends, mais ça met nous ça. Sérieux? On dirait un truc à la Pokémon, le Lampirate. D'accord. Ok, d'accord, c'était un mauvais raccourci en fait. Enfin, c'était pas un raccourci du tout quoi en fait. C'était une perte de temps. Hop, le retour de Billy. Alors j'ai hésité, je vais pas vous mentir, à faire du hors caméra la fois dernière. Mais j'ai préféré quand même faire l'aventure en entier avec vous. Y'a pas eu d'ellipse, pas eu de hors, enfin, y a pas eu de hors caméra. J'ai pas fermé du tout dans mon coin depuis le début de cette aventure. J'ai tout voulu faire avec vous. Histoire qu'on voit ce que ça donne si on farme pas. Est-ce que c'est possible? Hein? Est-ce que je peux charger? Oui, je peux charger. Oh, la bonne idée, ça. La chance des flèches que j'ai eu là. Fais les dégâts de zone, lui, avec son truc, là. J'ai bien l'impression, hein. Non, mais c'est quoi, ça? Mais comment je fais? Fallait sauter là. Mais non. Ah, il est tombé dans le vide. On va peut-être garder on va attendre d'avoir la potion. Il faut sauter un petit peu avant le bord. Regardez, genre là c'est pas mal. Hey yeah, yeah. Ok, bien. Ah non. Oh, oh là 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 là. Peut-être Ah non. Oh, oh si. Fallait faire une roulade sur la fin. Oh, j'ai géré. Et l'autre, on l'a esquivé, le garde. Y'a peut-être un truc là-bas. Que dalle. Et je même pas, je retourne là-bas. C'est mort. J'aurais jamais deux fois la même chance. Ok. Oh non, j'aime pas ce bruit. Ça sent le golem. Ah non, ok, non, c'est juste une grille qui se ferme. C'est pareil, c'est horrible. Alors l'espèce d'invocateur là, on les tue. Ah, tu meurs, j'ai dit tu meurs. Oh, ils sont horribles les arbres, ceux avec l'arbalète là. Les pillagers. Tiens, mange. Super, un plaisir. Ah bah nickel, fais-moi tomber dedans. Oh, la vie, la vie. Oh oui. Attends, regardez, elle est pour vous celle-là. Oh, le petit rebond. Oh yes. En plein dans le mille. J'ai l'impression qu'on récupère Billy plus rapidement que Kevin, le lama. Nya. D'accord. Et la dernière, elle est pour toi. Ouf, oh, en plein dans le mille. Nya. Et il m'a eu quand même, bah oui. Ouverture. Puis un bruit. Ok, j'ai quand même réussi à toucher un gars derrière. On n'a pas tant de foot que ça avec ce marteau, mais il est stylé. Ok. Ok, si je veux pouvoir prouver aux Avengers que j'ai le droit de les rejoindre, il faut que je poutre cette argilageoie. Avec ce marteau de Thor là. Ok. Alors, l'œil de la tempête, activez les balises. Ouh. Balises activées. Et de une. Ok, la suivante. On a perdu son bouclier, nickel. C'était mon plan. Ah, c'est pour. Ok, déclencher le pont. Et la deuxième. Ça, c'est du pont. Alors, toi, tu meurs tout de suite. Mais non, mais c'est pas vrai. Genre, regarde, tu te vois pas là. Mais. Eh oh. Alors, il a fallu des flèches. Mais en fait, là, je récupère les flèches que je viens d'utiliser, quoi. Plus de marteau. Allez, ok. Ça se passe. Oh Billy, je te ressusciterai, ne t'inquiète pas. On est à fond au niveau de moisson des âmes là. Ok, hors de question qu'il booste les ennemis.
Gauche ou droite? Que dit le point? Il dit vers le haut. On va peut-être aller en haut d'abord. Je veux vérifier que je trouve absolument tout en fait. Comme je vous l'avais dit, vu que c'est le dernier niveau, je pense que le mieux, c'est de tout trouver. Voilà, c'est comme ça qu'on esquive. Il est pas mort? Il est pas mort, je crois. Oh non, il va le booster. Non, 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 tu boostes pas. Tu arrêtes ce que tu fais là. T'arrêtes tes incantations, je te remercie, au revoir. Voilà. Hop, salut. Allez, tombe toi. Non, mais je veux pas ramasser la flèche. C'est pas le moment. Oh, j'aurais pu le pousser vers les flammes. Voilà. Il va me toucher, non, c'est bon. Alors, on peut pas ramasser les flèches, elles sont coincées de l'autre côté. Raté. Dommage. Ok. Petite porte. On peut pas accéder à cet endroit, très bien. On est tellement stylé quand même. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Heureusement qu'il y a la potion quand même. Oh, t'imagines, on aurait pas la potion? L'enfer. Yes. Ok, c'est passé. C'est avec les murs là qui bloquent les flèches, parfois c'est un enfer ça. Voilà. Le coffre. Avec des émeraudes. Parfait. On n'est pas venu pour rien. On n'est pas venu pour rien. Ok, on est à 59 flèches. On a la flèche pyrotechnique qui est engagée. Une autre flèche là. Nickel. Bon. On se rapproche du boss final. La potion. Ok. Bon. C'est à moitié effondré ici. Oh! Elle était pour toi la flèche détonateur, je crois là. Nickel. Oh! Attention! Ils peuvent pas tirer sur son confrère là, non? Bien sûr que non! Allez, tu fais mal! Je confirme! Ah, et ils ont épine, hein! Ouais! Vous le ramasserez, la petite cuillère en bas! Oh non! Oh, y'a un glitch! On peut toucher le golem! On peut le toucher à distance! Ah, oh, c'est génial! Ah, il m'a vu, là c'est mort là. Attends, il pourra pas venir là, regarde. Il va pas pouvoir passer au bout d'un moment. Regardez-moi ça. Alors, tu viens toujours pas me chercher? Ça serait trop drôle qu'il tombe dans le vide. Ça serait trop drôle, allez viens. Il va réussir à passer. Par un... Regardez, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Raté mon gars. Regarde, mange. Mange! Ouais, bien sûr, réveille-toi comme ça! Tiens! Oh, la flèche pyrotechnique, vous aviez raison, les amis, c'est vraiment efficace! Hein. Attention, il vient se réveiller! Ok. Allez, fais ton attaque! Oh, mais c'est impossible! Bon, on va faire un bout de chemin ensemble, ça te va? Ah! On va peut-être. On va pas être copains, toi et moi, je crois! Tiens! Ok, le moissonneur, c'est vraiment pas fait contre lui! Allez, t'es mort. T'es mort, j'ai dit. T'es mort. Voilà. Oh, une clé mort. Mais c'est une épée gigantesque, ça. Oh, 61-108. Pou, 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 j'ai bien envie de l'essayer. Regardez-moi ça. Digne d'un véritable paladin. Ok, avec la TNT sur la tête, magnifique. Ok, j'ai la potion qui se régène. Impeccable. Je veux tester avec les morts avant de l'améliorer. Hein. Je tiens à le dire. Parce qu'au final, le marteau de Thor est bien, mais. La foudre est pas aussi présente que ça. Et puis bon, hein, ça veut pas dire que c'est une arme unique, que c'est forcément la meilleure. Hein. Donc c'est ici normalement qu'on aurait dû battre le golem de Redstone. Ah oui, ok, ils sont en train de faire de l'obsidienne ici, très bien. On se demande bien pourquoi. Ça sent le golem en obsidienne. Je sais pas pourquoi. Ou l'interdragon en obsidienne. Oh, mais il y en a combien? Attends, mais sans déconner. Alors. Il faut aller à gauche. Ok, très bien. Ok. Tiens, mange. C'est cadeau. Ça a pété. Ok, il a rien senti. Ok, il fait mal. Oh, le Billy. Ah, le tueur. Le tueur. Ok, la clé mort fait mal, mais le mieux, ça sera de tester sur des mobs, je pense. Oh, le Billy, il a mangé une baffe. Je suppose que t'es un golem, du coup, tu prends pas de dégâts dans la lave, c'est ça?
Ouais, c'est ça, nickel. On a le droit à deux coups et après il nous frappe, hein, donc on évite. J'ai trouvé son point faible quand il charge. Ok. Ok, 1, 2, et après il charge. Oh ! Quoi ? Mais quoi ? Une vie restante. Bon. Ah bah on est derrière lui. Oh, attends, je l'affronte quand même, tu rigoles, je vais pas le laisser en vie. C'est mort. Tiens ! Mange ! Voilà ! Il a looté qu'une TNT ? Ok. Why not ? Oh, les golems de redstone, c'est tellement pété quoi, c'est ouf. Wouah, ces maisons quoi, qui sont en hauteur comme ça. T'as pas un temps, le vertige hein ! Les flèches ! Bon, ça valait vraiment le coup de venir là, mais bon. Au moins, on pourra pas dire que j'ai pas fait le niveau en entier. Donc, c'est bien la forteresse qui est en dessous, hein. On est bien au-dessus. Allez, on peut le faire. Oh, c'est quoi de cette lave ? Trop de fumée ! Ok. C'est là ? Je crois que c'est bien là. Désolé Billy, j'avais pas le choix. Alors ça fait mal, mais c'est quand même assez lent. Ouais, c'est assez lent. Oh, encore un golem quoi. 1, 2, attention, attention. Ah, c'est soit lui, soit les trucs là. Comment je vais l'éviter là? Ah mais en vrai je peux sortir. Attends si je sors. Ah bah voilà. Alors attendez, l'épée avait combien d'effets? Elle en avait deux. Crah, la puissance est pas mal hein, quand même. Bon, vous savez quoi? Pour le fun, on va prendre la clé mort. On va prendre la clé mort. Allez. Bon, ma potion elle en est où là? Ok, je peux récupérer Billy, ça c'est une bonne chose. En vrai, je pourrais balancer la flèche pyrotechnique et me rebarrer, hein. Tout est possible, hein. Tout est possible. Ok, donc j'équipe la flèche. Et on y va. Salut! Voilà. T'imagines ou quoi? Je pense que. Ouais, il doit pas aimer ce. Aïe! Non, ça meurt! Allez, allez. 1, 2. Non, 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 faut pas le tenter quand il est comme ça. Ah, allez, allez, esquive. Je charge les attaques, j'ai l'impression. C'est ouf. Tiens, Calo. Yeah, level up. Eh ben, franchement, cette arme est vraiment géniale. On va, je suis désolé, on va reset le marteau de Thor. Pour obtenir les points d'enchant. Du coup, donc nous avons nuage de poison, on connaît le fait. Affaiblissement, on connaît l'effet. Vampirisme, vaincre une créature vous soigne à raison d'une petite partie de vie. Ça, c'est pas mal. Mais on a la potion, je suis pas trop fait pour les trucs de soins. J'avais pas vu que les effets avaient des effets plus puissants. Tourbillonnement, la dernière attaque d'un combo est un tourbillonnement. Wouah! On a une chance de créer une zone circulaire sur tous les alliés. Vampirisme. Puissant, puissant. On va mettre tourbillonnement. Et on va mettre, depuis le temps que vous me l'avez demandé, je pense, nuage de poison. On va mettre 2 là-dedans et 3 là-dedans. Voilà, ah donc c'est plus cher quand ça a un effet, regardez, puissant. Excellent. Et bah voilà, tout est bon. Ah, je peux vous dire, regardez l'épée, elle est tellement stylée. Oh là là, ok d'accord, elle fait super mal. Elle fait super mal, elle est géniale. J'avais pas vu que quand on ajoutait des effets dessus, ça. Ah, peut-être non, ça c'est la potion qui fait ça, peut-être. Ok, ok, ça se passe. Oh là là, elle fait vraiment mal. Elle est assez lente, mais elle fait super mal. Ah, c'est ça, elle a un effet dessus maintenant, elle est violette. Comme si elle était enchante. C'est excellent. C'est excellent. Je pense que l'argile à joie n'est pas prêt. Ah, ok. Comme quoi, vous avez raison, un boost, hein, une seule arme, c'est gagne. Oh. Tiens, t'as, désolé, mais j'aime ça. Est-ce que t'as là-dedans?
Une potion d'ombre, une poudre de choc. Ok, que des effets, très bien. Très très bien. Tiens, mange. Hop là. Hop. Ça vaut une shot tous les... les petits villageois là. Sympa l'endroit. Vraiment sympa. Oh là, ma vie là, oh. Ok, il a volé Billy. Y'a un évocateur. Y'a un évocateur. Ah. Yeah. Mange. Et mange. Y'a un évocateur. Ah, je l'entends, je sais, y'a un évocateur, je m'en doutais. Enchanté. Quoi? Tu déconnes. Attaque rapide. Alors il va falloir bousiller ça là. Voilà. On va se planquer un peu là. Voilà, c'est ça, va dans la potion. Faut booster, faut tuer ceux qui boostent là. Ah, comme ça on clean un peu la zone. Pas de surprise. Ah, faut éviter de se retrouver dans un cul-de-sac quand même, la pomme. Ah, attention, non! Dernière chance! Oh là 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 là! Ok, bon, c'est la dernière chance. Wouah, ça a pété partout, c'était le 14 juillet le truc ou quoi là? Oh bah tiens, salut, ça va? Tiens, j'aime bien les moissonneurs. Allez, mange. Allez. Non, 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 faut le focus, faut le focus. Faut pas le laisser, faut pas le laisser. Allez, allez. Allez. Ouais, c'est ça, nickel. Mange, mange, mange. Il a tâté de mon épée. Encore plein de petites bêtes là. Je hais ces bestioles, je les hais. Voilà. Voilà. Oh là, on est vraiment devenu beaucoup plus puissant. Je vais mourir. Je vais mourir ici quoi. Oh là 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 là, entre la vie et la mort. Tel est mon destin. Oui, je sais, vampirisme aurait été utile. Je sais, je sais. Mais bon, on peut pas avoir la puissance et la vie. Oh là. Trop de sorciers là. Là, tu me tapes avec son livre, il croit quoi lui? Ah. Il doit y avoir une... Il y a une salle secrète là. Il y a une salle secrète. Donc il y a certainement un levier quelque part. Où est-il? Je pense qu'il y a un levier quelque part. On va fouiller un peu la zone de toute façon. On va fouiller la zone. Il doit y avoir un levier qui est planqué parce que on voit bien la... Ah, c'est peut-être après. Regardez. Voilà, il faut suivre le point. Tout simplement. Provision. Attends, attends. Ça me dit vraiment d'aller là-dedans? Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un levier dans le coin qui traîne quand même. Parce que si je vais là-dedans, ça me mène où là? Ouais, non, ça mène à l'extérieur. On va fouiller. On va fouiller. Alors, les amis, j'ai pas trouvé le levier. Pourtant, regardez, j'ai bien fait comme ça pour pouvoir trouver tous les leviers nécessaires. Enfin, impossible pour ouvrir cette porte. Mais c'est peut-être pour après, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé la partie. Ok. J'ai vraiment tout fouillé. Hein. Honnêtement, voilà. Ok, très bien. Hop là. Allez, meurs. À moins que je sois complètement aveugle, mais. Oh là là. Pouah. Par contre, faut pas que j'oublie que j'ai plus de vie en fait. Hein. Enfin, pas genre en mode mon cœur ou quoi, tu vois. Non, 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 là, c'est vraiment. J'ai plus de life, hein. Je meurs, c'est fini, hein. C'est game over. Je suis obligé de recommencer. Enfin, recommencer pas tout depuis le début non plus, mais. Encore un golem. Bam. Bah, on va le poutrer. C'est parti. Ok. Ah, il attaque. Oh, le nuage de poison là. Voilà. Oh là là, Poupili. Aucun respect pour les bêtes. C'est vrai que j'ai infinite aussi sur cet arc, c'est pas mal. Allez, le nuage de poison, ça serait bien. Ouais, ouais, ça par contre, c'est... Ouf, j'ai failli aller dedans. J'ai cru qu'il était coincé. Tu le fais au ballot de paille. Le nuage de poison qui fait plaisir. Voilà. Attention aux mines, attention aux mines. Ouais, parce que c'est clairement des mines. Hein. Ok. Oh là là, il l'a mis en plein dedans. Non mais vous avez vu comment il se fait poutrer quoi. Allez, charge ton truc là. Tiens, dans le cœur. Wow, on peut pas passer au-dessus.
Tiens. Et c'est cadeau. Voilà. Oh là 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 là. Oh, une clé mort verte. Ouh là 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 là. Ok, ok. Ok, je recycle. D'accord, t'as gagné. Oh la balette. Ah oui, mais c'est des âmes. Ah. Ah mais attends, non, plus 2 rassemblement des âmes. La balette des âmes n'a pas été fabriquée par les mystérieux évocateurs. Attends, si je tire, avec fureur. C'est pas grave pour la TNT. Oh mais c'est une vraie arbalète. Oh. Mais elle est carrément géniale. Alors elle porte 2 effets. Elle m'a fait moins mal. Et moi j'avais laquelle? J'avais l'arc. Ah ouais non mais laisse tomber. Laisse tomber. 77. Celle-là je recycle. Ah peut-être pas. Attends. 106. Ouh. Et l'autre. Ouais mais l'autre elle collecte des âmes. Ah ouais non mais elle est plus puissante en fait. Ah ouais non elle est marquée moins. Écoutez, tant pis. Va pour cette arbalète là. Va pour cette arbalète. Ok. Voilà. Là on va pouvoir du coup enchant. Ah, je me suis trompé. Bon c'est pas grave. Repoussoir perçant. Bon allez c'est pas grave. Tant pis, on va mettre 2 là-dedans. Ok ici. Oh c'est quoi ça, gel. Ralentit les créatures. Vampirisme. Affaiblissement. On avait dit affaiblissement. Au pire. Fomble, t'as une chance de soigner. Onde de choc, créature explose après avoir été vaincu. La dernière attaque d'un kobo génère une onde de choc infligeant des dégâts aux ennemis. Wow, c'est que des trucs puissants. 20% des dégâts. Ah mais explose, ouais, c'est pas pratique sur les bosses. Voilà. Allez, va pour ça, voilà. Et le coffre. Oh la musique épique. Ce niveau qui n'en finit plus les amis. En même temps c'est normal. C'est la bataille finale. Pas de flèche. Déçu. Ok. Bon. Allez on s'aventure par là. Golem de redstone. C'est ça. Vas-y cherche ton truc là après. Affaiblissement. Ok. Il fait moins mal hein, déjà. Bah ouais je suis obligé de passer. Non. Pardon monsieur. Oh là 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 là. Et on peut traverser les ennemis avec l'arbalète, c'est pratique. Ok d'accord, t'es fort, j'avoue. Ok j'ai cliqué à côté de toi bien. J'avoue t'es fort. J'avoue t'es chiant, t'es chiant, t'es très chiant. Les golems de redstone sont très chiants. Je pars en Billy, c'est bon. Il me faudrait ma popo là. Je vois ses pieds là. Je vois ses pieds à ce tas de cailloux là. Non Billy non. Voilà 3 coups. Ok on attend un peu. Oh là 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 là, cette pression qu'il me met lui en me poursuivant comme ça. Mais il en pose tellement des mines, c'est fou. Oh my god, oh my god. Il veut ma mort. En même temps, je pense pas qu'il va me porter sur ses épaules en mode vas-y, je t'amène à l'arche du villageois. On lui a tout mis. On lui a tout mis. Bien joué, Billy. Bien joué. Ok, ça continue. Alors, on va... Ah, il y a un truc vert qui est tombé au sol. Je l'ai pas vu, regardez, sur la map. On va utiliser la potion, même si c'est pour que 52 points de vie. C'est toujours ça. Oh, c'est des sauts de lave qui peuvent... Enfin, des chaudrons de lave qui peuvent déverser, je pense. Arbalète. Moins bien. Ok, on fonce, on fonce. J'ai une popo de force. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Voilà. On était sûr que c'est des trucs comme ça. Salut, ça va? Ça se passe, alors on m'attendait. Désolé, j'avais un golem de redstone à poutrer. Alors comme ça, on veut faire mal, hein. Oh toi, t'as bien fait de te montrer, tiens. Hop,
Yeah! C'est pratique quand ça traverse comme ça, non? Salut! Ça va le garde? Ça se passe bien! Je suis la mort incarnée! Il est temps de rendre des comptes! Non, non, c'est pas le moment de lire. Non, c'est pas le moment de lire. Voilà, nickel. Et voilà. Wouh ! Attention ! Ah ! On va garder nos flèches. Contrôle, je vois pas l'utilité. Voilà. Voilà. Et voilà. Bonjour ! Mange ! Ok. Ah, y'a un évocateur derrière. Je l'ai vu. Bah, en même temps, vu les boosts. Ah non, c'est des élites, tout court. Ils ont même pas besoin, enfin y'a pas besoin de boost ou quoi que ce soit. C'était le moment je crois. Ah, ils ont été un peu attirés par la puissance hein. Moissonneur. Allez. Wouh. Il résiste hein. Ah, il a mangé l'épine je crois lui. Allez, 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 allez. On tient le coup. Ma vie, ma vie, ma vie. Vas-y Billy, tiens le coup mon Billy. Tiens. Ok. Il a pas tenu longtemps hein. Attends, je récupère les points de vie, tu vas voir. Prends-moi le mana toi. Ok. Et j'ai une bonne rallonge en plus. Mange. Voilà. Bon. À quoi déjà comme effet? Ah oui c'est vrai. Le coup, le fameux coup fatal. Je crois qu'on va arriver là. Eh, c'est pas possible. Ah, épine, c'est pratique quand même. C'est vraiment bien pratique. Raté. Ah, on a des ennemis là-haut. Ils sont boostés, ils sont boostés. Non, Billy, Billy, reviens, reviens. Ah, c'est vrai que je peux le rappeler, je suis teubé moi aussi. Non, là, je peux pas l'affronter, je peux pas l'affronter. C'est mort. J'ai pas assez de points de vie. Non, mais en même temps, vu tout ce que j'ai affronté depuis le début, quoi. Ok, allez, la potion. J'ai l'instant drink. Raté. Le coup fatal qui assomme. J'ai l'impression. Faudrait que j'utilise mon moissonneur. Yes! Ils sont tombés. Trop bon ça. On peut sauter de l'autre côté. On peut. Rien du tout. Vachement étonnant. Je pense qu'à mon avis, d'une difficulté à l'autre, il doit y avoir plein de loot. Cette musique qui est calmée. Ah attends, c'était des statues. Ah, il y a un évocateur en bas, c'est ça? Ouais, t'es sûr. Sale bête. Tiens, donne-moi ta pomme. Attends, c'est quoi ce délire? Ah ok, non c'est bon. C'est bien haut qu'il faut aller. Oh là, le pauvre Billy. Il va pas rester en vie bien longtemps à mon avis. Oh quoique, il s'ébrouille hein. Bien joué Billy. Bien joué. Allez, fuis, t'as raison. C'est mieux pour toi. Waouh. On grimpe tellement haut là. C'est un délire. Dédicace à tous les gens qui ont le vertige. Ça y est. Ça sent le combat final. Bon. Quand faut y aller. Ouais, t'es sûr. Ah, ça te fait rire, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lâchez la joie. Wouah. Eh, tu fais mal, toi? Petite bête. Ouais, ça sent les deux patterns. Aïe. Bah alors, on est faible aux flèches? Oh, il a pas aimé. Bah alors, ça fuit. Il me fait délirer. Oh, d'accord, d'accord, t'as gagné, t'as gagné. Enfin, t'as gagné, j'ai pas dit mon dernier mot, mais... Wouh, wouh. Oh, ça fait mal, ça, t'as vu, eh, regarde, regarde, t'as vu, ça pique les flèches, là. Eh, je suis vachement déçu, bah alors. Oh, le cube de puissance, hein. Et bah voilà.
Yeah! Il est mort! Quoi? Cœur de l'Ender, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Oh my god! Mais je suis pas prêt pour ce truc! Ouah! Oh là là, la technique pour maintenir la vie! Oh, c'est génial de pouvoir faire ça! Ah bah écoutez, hey, ils me permettent de le faire. Pff, en vrai, c'est chaud de ouf. Ok, j'équipe ma flèche. Il me faut la popo de heal. C'est dommage qu'on n'a pas un truc pour pouvoir la régénérer plus vite. Je sais pas si le truc de tout à l'heure aurait pu faire ça. Enfin, de la fois dernière, du moins. Non, Billy, non! Tu es trop faible pour... Non, mais pff, je l'ai refait respawn. Il est tombé direct dans le vide. Bon! Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Il faudrait poutrer ce golem de redstone en fait. Le problème c'est que je vois pas sa vie en fait. Bon bah on balance tout, hein. C'est aussi ça la distance. Eh oui, regardez. Billy. Vas-y Billy. Ouais, l'honneur, tout ça, c'est pour toi, non? Oh! Oh my god! Mais il fait trop mal! Il fait trop mal! Ouais, je poutre le golem en fait d'abord. Mais c'est bien que l'arche de la joie était un peu faible par rapport à ce que j'imaginais. Ok, le golem va mourir, je pense. Non, non, reviens, reviens. Oh la vache, mais il fait trop mal. Oh, mais j'ai aucune chance. On va en profiter, on va recycler les trucs. Y a pas de petit profit. Voilà, nickel. Bon, j'ai pas beaucoup de flèches. Ce qui est bien quand même, c'est qu'il nous laisse le droit de revenir en arrière. Et ça, c'est cool. Alors attends, on va le tuer. Le golem. Ok, il est toujours pas mort. Hein. Ok, je sais pas ce que c'est. Ah, le jump qui sauve la vie. Ok, je pense qu'on va... Je crois que t'es obligé de faire ça. Je pense que si t'es pas malin, t'es mort. T'es mort, en fait. T'es clairement mort. Ouais, ouais, ça te fait... Non, il est plus me tuer à distance. Mais c'est abusé. Mais même lui il peut le faire au final. Oh la vache, le cœur de l'Ender quoi. Il l'a mangé. Je suis témoin, il l'a mangé. Oh la vache. Je suis niveau 22, hein, je tiens à le dire. Le cœur de l'Ender. Ah ouais d'accord, non mais très bien. Je tombe, c'est volontaire. C'était pour voir la vie du golem au passage. Ok, là il est vénère, il va utiliser toute sa puissance. Ouais, on sait, on est au courant. Regardez les lasers qui vont me frôler quoi. Allez, golem, meurs. Yes. Ok, le golem, regarde. Je tombe. Ok, bon, très bien. Ok, il nous reste plus que Le pire, ok. Ok, on respire. On récupère un peu de santé. Non, Billy! Non! C'est horrible ces lasers. Même sans les lasers, il doit être horrible. Je suis mort, non? Ah, il a plusieurs pattes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah oui, il est en dessous en fait. Eh, je suis mort. Oh la vache. Oh là 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 là. Tellement de puissance. Ah, malheureusement, j'ai voulu l'affronter avec trop de puissance. Alors les amis, je suis pas arrivé totalement au boss. Oui, parce que bon, la bonne blague, c'est que je dois tout refaire. Mais regardez, j'ai trouvé un bug. En fait, j'ai sauté ici sans faire exprès. Et ici, en fait, je pouvais taper les mobs. Voilà, c'est... Regardez, c'est... Voilà, c'est totalement bugué, normal. Je peux tirer sur les mobs, voilà. Donc comme quoi, hein. Non mais c'est complètement abusé quoi qu'il me voit pas ici. Alors là, je suis obligé de tomber. Ok les gens, on est de retour pour la bataille finale contre l'Archi la Joie, qui était quand même coriace, hein. Ok. Alors... Ok. Bon. Oh là 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 là, la puissance à l'état pur. Ah, tiens, mange. Ok, alors je sais pas s'il est du bon côté. Il va pas aimer. Oh, il a pas aimé.
Ok, ok. Il va sortir son golem, il va sortir son golem. C'est une valeur sûre, c'est une valeur sûre. Mais je suis plus puissant qu'avant maintenant, l'ami. Ok, oui. Allez, non, non. C'est bon, yes. Il est mort. Enfin bon, il va revenir, oui, on le sait, on le sait. Voilà, donc là, il faut le taper direct. Hein. Faut le taper direct, faut tout mettre, il faut tout mettre. Oh là là, vous êtes mort, deux vies restantes. Non mais, oh là là. Mais c'est bête. Faut vraiment utiliser le glitch, vous avez pas le choix en fait. J'ai regardé, vous êtes vraiment obligé d'utiliser le glitch. Si vous voulez survivre. Oh la vache. Oh la vache, oh la vache. Ok, il recommence son truc. Wow. Oh, il est tellement puissant, il est tellement badass. Hein. Il est tellement badass, il est tellement puissant. Je vais te moquer, mais je te connais tout à l'heure, je te connais. Je te connais. Oh la vache. Allez. Et c'est fini, je vais t'avoir l'épée pour la fin. Wouah, la robe d'évocation, blé merveilleux. Oh la vache. Wouah, elle est tellement belle. Damn it. On va mettre... attends, on va mettre celle avec laquelle je l'ai battue. Wouah, regardez, c'est trop stylé. Enfin, nous l'avons battue. Quoi ? L'archivillageois, l'ennemi des villageois, a été vaincu. Nos grands héros nous ont apporté la victoire, en anéantissant les forces du mal. Trop cool! La danse finale, la danse de la victoire. Absolument rien n'aurait été possible. Il va se reformer. Il attend une nouvelle personne. Et bah voilà. Oh là là, yes! J'espère qu'on va avoir un mégaloute. Poudre de choc sans connaître. Nouvelle difficulté, aventure! Les ennemis sont difficiles à tuer et font mal. Nouveaux enchantements de l'ennemi, les récompenses sont meilleures, nouveaux équipements et artefacts disponibles. Et bah voilà. Wouah, c'était rapide la fin. Ok. Bientôt disponible le royaume insulaire. Ouais, l'end. Excellent. Oh. Et bah voilà les gens. Ça y est, on l'a fait. On a vaincu. L'arche, il a joie. Oh là là, tellement cool. Et on y a débloqué. Alors ça déjà on peut recycler. Celle-là aussi. Un nouveau blé merveilleux. Un nouveau Kevin. 73 de dégâts, pas mal. Voilà. Excellent. Avec une nouvelle robe, la robe d'évocation. Plus 138 de santé comparé à 137. Temps de recharge de l'artefact, moins 25%. Aura de vitesse de mouvement, plus 15%. Des runes magiques puissantes ont été tissées dans la matière de ces robes. Leur origine et leur véritable pouvoir sont enveloppés de mystère. Boule de neige. D'accord, projet du boule de neige vers un ennemi à possibilité l'étourdissant. Être touché par les projectiles d'infusion créera parfois un petit carquois de flèche. Pas mal. Votre barre de vie est complète. Vos dégâts, bon ça on s'en fout un peu. Alors... l'étourdissant, ça peut être pas mal ça la boule de neige.
donne une petite chance de dévier le projectile. Pas mal. Combustion chaque 0,5 secondes inflige des dégâts à tous les ennemis au corps à corps. Excellent. Rouler vous fait bouger plus rapidement. Alors ça, moins bien. Ça, c'est pas mal. Ah, j'ai pas assez de points. Bah, il faut que je reset. Alors, j'ai pas envie de la reset. J'ai un doute. On peut pas juste enlever les points. Bah, non. Ah non, on va l'enlever parce qu'elle a qu'un enchant. Allez, tant pis. On la reverra peut-être plus tard. Du coup, là, on va mettre combustion. Niveau 2. Niveau 2. Voilà. Et bah, voilà. De toute façon, on peut pas mettre plus. Excellent. Yes! Oh, on a une aura et tout! Tellement stylé! Pouah, j'ai l'impression qu'on va plus vite, ouais. J'ai un doute. Ah, oh, génial! Oh, tellement classe! Bon, clairement, l'épée n'a rien à voir là. Hein. On aurait dû avoir une, je pense, une baguette ou un truc comme ça, mais voilà. Et là, écoutez les gens! C'est avec ce long épisode qu'on termine l'aventure de Minecraft Dungeon. On a vaincu l'archi-largeois. Alors je reviendrai sûrement dessus je pense, très rapidement d'ailleurs, parce que il paraît qu'il y a des niveaux secrets et j'aimerais bien les débloquer. Et dites-moi si vous souhaitez que je refasse l'aventure. Alors je referai peut-être pas tous les niveaux avec vous, mais peut-être genre juste le boss final de comment dire, en mode aventure, et refaire en mode apocalypse, je ne sais pas. Parce que affiché 10 nouvelles missions. Oui, mais là clairement si c'est les mêmes en fait c'est... Ah oui, bah oui, on est en mode aventure. On peut faire direct le dernier? J'ai abusé. Ok. D'accord. Donc il faut le revaincre, je pense, pour battre l'archi-lageois. Ouais, voilà. Donc il n'y a même pas besoin de faire les autres niveaux, quoi. D'accord. Bah écoutez, au pire, les niveaux secrets, on les fera en aventure. Voilà. Comme ça, on en fera un ou deux, ou un seul. Donc s'il y en a deux, par exemple, j'en ferai un en mode aventure. Et après, je bats l'archi-lageois. Après, on fait un apocalypse, on refait l'autre niveau, un autre niveau secret que j'avais pas fait, et on rebattra l'énergie de joie. Je pense que c'est pas mal. Et bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, merci à tous et à toutes de m'avoir suivi sur cette aventure génialissime de Minecraft Dungeon. L'histoire est vraiment cool. Tous les add-ons, enfin tous les trucs qui ont été ajoutés dedans, qui ne sont pas dans le jeu de base, sont vraiment cool. J'ai trouvé le jeu un peu court, je pense. Mais après, en même temps, quand on est à fond dedans, tous les jeux sont plus ou moins courts. Mais j'avoue qu'un niveau supplémentaire, un monde supplémentaire aurait été pas mal. Parce que là, il joue beaucoup sur la carte des niveaux de difficulté, hein, très clairement. Mais voilà, c'est vraiment ouf. En tout cas, bah, les amis, merci à tous de m'avoir suivi, Stephen Jumper. N'oubliez pas, bien sûr, de lâcher un maximum de likes et de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et la chaîne, d'activer la cloche pour cette aventure qui a été tout simplement épique. On se retrouve bien sûr très bientôt pour la suite de Minecraft Dungeon avec des niveaux secrets et bien entendu une difficulté supérieure. En tout cas, merci à tous, salut, c'était Jumper, et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao les amis.